Ce 21 février, Louis Albi était invité dans l'émission Souvenir d'écolier de Malika Ménard, pour School Télévision. Le candidat de la Star Academy est revenu sur le harcèlement qu'il a subi plus jeune et a dévoilé la réaction choquante du responsable de son établissement. Révélé dans la 10e saison de la Star Academy, diffusée en 2022 sur TF1, Louis Albi n'a pas remporté le télécrochet mais a conquis les téléspectateurs. Assez réservé au départ, il a su effectuer une belle progression, notamment grâce à son amitié avec Enola. Désormais, ce candidat ayant très peu confiance en lui se surpasse et prépare son premier album, entouré de personnes de talent et de confiance. J'espère que vous serez également présent dans cette nouvelle aventure qui commence, a-t-il écrit le mois dernier sur Instagram. Une revanche pour le jeune homme qui a eu une enfance compliquée, marquée par du harcèlement. Un sujet qu'il avait évoqué en novembre 2022 lors d'une interview pour Pure People, « J'ai été énormément exclu. J'ai vécu le harcèlement à l'école et même en dehors. J'ai été beaucoup harcelé parce que j'étais différent. Mais j'ai toujours été moi-même, je n'ai jamais cherché à changer malgré ça. J'ai quand même beaucoup souffert de ma différence. Là, dans la Star Academy, c'était la première fois de ma vie qu'on me disait que celui que j'étais était beau. J'étais accepté. Louis Albi victime de harcèlement très lourd dans l'émission Souvenir d'écolier, face à Malika Ménard, Louis Albi est revenu sur cette période très difficile. Après avoir gardé pour lui ce qu'il traversait, il a décidé d'en parler à son père et à sa mère, « Je m'étais fait harceler toute cette année-là, insulté, vraiment le harcèlement très lourd. » Et fin d'année, j'explose, je dis tout à mes parents. Je leur explique que si est un enfer, que je n'en peux plus. J'ai explosé, j'ai dit, si est pas possible, je peux pas continuer comme ça, si est plus vivable, a poursuivi le chanteur, avant d'expliquer que sa mère était allée voir le responsable de l'établissement. Mais si ce dernier aurait dû prendre le sujet au sérieux, il a eu une attitude choquante. Il lui a répondu une phrase du type, « PD si est pas une insulte, on lui rappelle juste ce qu'il est. » Ma mère s'est beaucoup énervée, s'est-il souvenu. Après, ça s'est mieux passé. Elle m'a protégé de tous ses propos, elle a un peu pété un câble, je voyais qu'elle était énervée mais elle ne m'a pas dit exactement ce qui s'était passé, a conclu celui qui a chanté en duo avec Zazie. Sa scolarité est ensuite devenue plus sereine, grâce à la réaction de sa mère.